Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le serveur Agoraz pour vous montrer comment faire un drapeau et comment s'enregistrer sur le Discord. C'est parti. Donc vous allez avoir besoin de trois bâtons, d'une corde que vous allez faire glisser. Vous combinez les deux avec votre molette, fabriquez kit de mat de drapeau. Donc vous fabriquez ça, ça se retrouve au sol, vous le récupérez dans votre main et là vous allez le déployer. Donc là vous le posez où vous voulez. Moi, je vais le poser ici. Donc là, vous le déployez au sol, pas besoin d'instrument, vraiment à la main. Facile. Ensuite, vous allez avoir besoin de un rondin. Donc là, on a de quoi faire. Vous prenez le rondin, vous le posez, vous l'assemblez. Là, maintenant, il va vous falloir une masse. Donc vous prenez la masse et là, vous avez l'option construire base. Donc là, vous allez construire votre base. Voilà, là j'ai mon mat drapeau qui est prêt. Donc là il me va falloir 32 pierres et 6 rondins. Donc là c'est parti, je vais chercher les 32 pierres et les 6 rondins. Vous aurez compris que je vais vous épargner les 32 allers-retours pour mettre des pierres et les 6 allers-retours pour mettre des rondins. Sinon on va pas terminer le tuto. Donc là vous prenez votre pelle en main. Vous allez avoir l'option construire support et là c'est parti, on envoie des coups de pelle. Et là, hop, donc là on a le support pour le drapeau qui est fait. Et vous allez avoir besoin d'un câble, d'une corde, de 60 clous et de 3 rondins. Donc là maintenant, on va avoir besoin soit d'une hachette, et si vous n'avez pas d'hachette, vous pouvez aussi prendre un marteau, ça marche aussi. Et là c'est parti, on a l'option construire mât. Et là voilà, on a un super mât de drapeau, il n'y a plus qu'à poser le drapeau. Moi pour le coup j'ai choisi la licorne, parce que j'adore les licornes. Et là on pose le drapeau, on hisse le drapeau. Et voilà. C'est terminé, il reste la dernière étape. Donc on se rend sur le Discord, on va dans Register, on crée un ticket, on rentre dans le ticket donc le nom du serveur, si c'est Tchernarus, Namalsk ou Livonia, les occupants de notre base, donc avec les arrobas, les coordonnées, où je montrerai où c'est qu'on les trouve, et ensuite on est bon, la base est prête, il ne restera plus qu'à mettre le parking et la poubelle. Pour trouver la position du drapeau, vous faites simplement échappe, vous allez dans Serveur Panel et là vous allez voir dans Player Information la position X et Y de votre drapeau. Du coup, c'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt sur le serveur Agoraz et pour d'autres tutos. Allez, ciao ciao!